Et salut tout le monde, c'est Ribosome et on se retrouve. Je voulais vous laisser la musique d'intro du jeu. C'est absolument incroyable ce son. Bon ben ça s'est arrêté, du coup je lance ma partie. Bon, vous pouvez voir que j'ai des âmes de côté, 10 000 et quelques, mais en fait c'est mieux que ça. C'est-à-dire que je suis level 18 bientôt en force. Regardez, j'ai été farmé, vous savez, au début là, je vous avais montré au tout début là, la zone des neiges. Et donc, vous voyez, je suis 17 en force. 30 en constitution, 26 en dex, 20 en esprit, donc ça c'est top. Ça veut dire que du coup, je vais pouvoir utiliser cette arme comme il se doit. Alors je l'ai testée du coup pour farmer, même si j'avais pas les stats, ben, je peux vous dire qu'elle pique, même si j'ai pas les stats. Alors je sais pas ce que ça va changer en fait d'avoir mes 18 points de force. Je fais juste ça, voilà. Et donc là, normalement, je peux l'utiliser. Et normalement, là, du coup, j'ai les vrais dégâts, je pense, de l'arme. C'est-à-dire que là, du coup, arme D1, droite 1, ouais, 196 de dégâts. Je vais quand même aller tester sur mes petits mobs favoris que j'ai farmés. Donc voilà le chemin que je faisais. En gros, je me repose, je vais ici, ok. Je fais ça aussi, coup de botte. Enfin, en gros, j'essaye de maximiser mon chemin en faisant roulade, saut, botte. Alors là, ça va pas marcher les bottes, bien sûr, mais roulade, saut, botte. Bon, ça marche plus. Écoutez, j'ai plus les bottes. C'est comme ça. Donc là, voyons voir les dégâts. Ouais, 114. Ouais, c'est insane parce que, en fait, si vous voulez, grâce au charme que j'ai récupéré la dernière fois, en fait, mes coups critiques, ils sont ultra énervés. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller l'améliorer, en fait. Je vais aller l'améliorer direct. Là, elle est de base. Hein. Regardez, attaque chargée, ça, c'est 365 de dégâts quand ça fait un critique. Et regardez le weapon art. Attendez, on va faire le weapon art en bas. Donc là, j'appuie sur R1. Carré, voilà. Donc là, c'est pas amélioré. Et en fait, la portée est dingue. Regardez le, voyez le flux d'air que ça fait. C'est là où je peux toucher un ennemi au maximum en distance. Voyez. Donc là, voyez, j'ai gagné 1000 âmes. En fait, en faisant juste hop une petite run comme ça. Et du coup, bah en fait, c'est comme ça que j'ai farmé hier. Donc hier, concrètement, j'ai farmé mes 8 levels de force comme ça. Donc 5000, on va dire x 8. Donc 5 x 8, 40. Et donc, ben, ça fait 40 allers-retours comme ça que j'ai fait. Waouh. J'ai vraiment rien à foutre de ma vie. Allez, go, on avance. Et du coup, ce qu'il y a de cool, c'est que quand elle sera améliorée, je pense qu'on va faire v'là les dégâts. Pardon. Et puis, ben, du coup, on va continuer la zone des neiges, à mon avis. Amélioration des armes. Du coup, on est là. Et donc, c'est les minerais de démonite. Putain, j'ai trop bien fait de les garder depuis le début. En plus, il y a un bonus de dex en C, donc ça, c'est top. Eh ben, allez. Niveau 1. Niveau 2. Je peux pas faire mieux. Ok. Mais je pourrais l'améliorer encore. Hein. Je pourrais l'améliorer. Combien il faut? Attendez, je regarde. Il faut 5900. Bon, ben, quand j'aurai amélioré... Enfin, quand j'aurai avancé dans la zone, on fera ça. Voyons voir les dégâts. Ouais, arme D1 droite. Ça ne me dit pas. Pourquoi ça ne me dit pas? Pourquoi ça me donne pas le total des dégâts que je fais? Ça, c'est chiant, par contre. Bon, écoutez, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça sera mieux que notre merdouille. Et si on faisait... Et si on faisait un try sur le gros méchant dragon là, qu'on avait trouvé? On peut peut-être essayer, ça se trouve, ça va être easy. Hein. Mais c'était quel feu? Attendez. C'était dans la neige, donc c'était le bleu ciel, normalement. Est-ce que c'est là? Avant-poste des ruines. Là, je crois que c'est là que j'ai débloqué le... Attends. Non, c'était là, plus bas. Ouais, c'est là. C'est ici. Bon, on va aller tester notre arme, du coup. Pas du tout sûr de ce que ça va faire. Écoutez, est-ce que je peux, du coup, mettre du feu dessus? J'ai l'impression que, ouais, on peut cumuler saignement et feu. Attends. Ah non, je peux pas. Vous voyez? C'est masqué, ça. Oui, parce qu'en fait, elle fait du saignement. 71 enseignements. Ok. Bon, on va tester du coup. Je vais juste essayer. C'est juste pour voir. Ça sent la P2 quand même. Bon, je vous laisse la cinématique un peu. Ouais, vas-y. Ouais, putain. Ok. Regardez le weapon art. Attention.
que ça, ça tue. Voir que ça tue. Heureusement qu'il n'y a pas de barre d'endu. Là, je bourre. On va voir si à midlife il se passe quelque chose en fait. Merde! D'accord, ça fait des cailloux qui rebondissent, merde ça. Totalement gelé. Actuellement. Mon DPS s'en ressent. Franchement, je suis deg parce que j'ai sauté et tout. C'est juste la botte, elle marche pas. Merde. Je voulais me... Ça sent un peu d'énervement, là, de sa part. Ouais, là, on avait passé un P2, je crois. On est passé un P2 là, je sens qu'on est passé un P2. Eh bien écoutez, voilà, on n'y retourne pas. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette zone? Je regarde ma carte, attendez. Bon, ça du coup, c'est pour plus tard, je vais mettre combat d'épée. Hop, voilà. Et nous, on avait fait. Donc ça, on l'avait fait ou pas? Je me souviens pas. Ah oui, ça c'est le truc de... 200, ok. Là, il y avait une porte bloquée. Ok. Eh bien, je sais pas quoi faire. Hein. Ah ouais. Attendez, mais la zone des neiges, j'ai tout fini. Du coup. Ouais, parce que là, il y avait un ascenseur. Ça me ramenait au début de la zone. Donc, en fait, ouais, la suite, c'est ce boss-là. Ou sinon, attendez. Il y a d'autres calques? Oui, attendez. La zone des neiges, on y est allé comme ça. Afficher calque de carte. Mais je comprends pas. Peut-être que c'était la dame qui faisait du feu, là, qu'il faut buter maintenant. Vous savez, cette dame-là, là. Là, là. C'était où? C'était dans cette zone, ouais. C'était là, hein. Avec, je sais plus s'il y a un raccourci ou pas. Tac, 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 tac. Extérieur de la grande église, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, c'est pas là, c'est là. Ouais. On va essayer avec cette arme du coup, ok? Il y avait deux phases, hein. c'était pas évident du tout. Hein. Ouais, c'était là qu'elle était là. Là-dedans. Ouais, donc moi, il me faut descendre là, ok. Je peux pas passer par là, je crois. Ah, la porte est bloquée, quoi. Il me semble. Comment on descend déjà? Ah mais c'est là, je suis con. Ouais donc attends, on va y aller. Je crois que c'était par là. Bon dans tous les cas il y a un boss à battre quoi. De ce que je comprends. Ouais d'accord. C'est pas mal ça avant d'y aller je trouve. Avant d'aller combattre un boss, je trouve ça super moi de... Hein. Ok. Et donc là, c'était là-haut.
Je me soigne. Je me soigne deux fois, du coup. Et comment on a le double saut, là, en vrai? Je pense qu'il y a un double saut, hein. Hé hey! Non mais attends, mais je peux plus monter, je sais même plus comment... Attendez, je vais me tuer. Je sais où il faut aller. Voilà. Je sais où il faut aller. Je pense que c'est pas là que je veux aller, pour le moment. Je pense que c'est après le mec des neiges. Vous savez, ce boss des neiges que j'ai battu. Parce que ça me paraît dur en fait comme zone. J'ai pas le double saut, donc je peux pas concrètement sauter sur les parois là, enfin sur les plateformes. Est-ce que c'était là? Non, c'était pas là. C'était plus haut. C'était là où il y avait l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Donc on va monter et on va voir. De toute façon, on est souvent paumé dans ce jeu, hein, je trouve. Il y a quand même pas beaucoup d'indications graphiques sur les cartes et tout. Donc c'est assez costaud, ouais. Ouais, donc là, ouais, c'est ça, j'avais fait demi-tour, il me semble, après le boss. Donc peut-être qu'en fait, il y a un truc à débloquer après. Ça se trouve, il y a le double saut à débloquer après. Ce qui serait génial en soi. Ok, donc petit checkpoint. On s'en fout. Oula. J'ai failli tomber de ouf. Là, il y avait le combat, du coup. Il me semble. C'était plus haut. Non, c'était peut-être là. Voilà, c'était là la suite. Mais je me demande si c'était pas là qu'il fallait un double saut. Attends, mais c'est bizarre, non, cette histoire? Et ouais, non, c'était là qu'il fallait un double saut. Et ouais, parce que là, j'étais dans la merde. Oui, d'accord, ok. Je pensais que non. Je pensais que j'étais en frame d'invincibilité. Alors, l'avantage de cette arme aussi, c'est qu'elle stun, vous voyez. Alors, j'ai moins de DPS, bien sûr, mais l'avantage, c'est qu'au bout de certains coups, elle stun. Vous voyez, c'est là que je suis emmerdé. Je crois que c'est là. Hein. Ah, bah non. Juste te. Ah ouais, je suis juste teuteux. Par contre, ouais, pour les monstres comme ça, là, à distance, fais voir. Je serai toujours obligé d'avoir mon truc à... Oh, attends. Je vais être obligé de changer d'arme. Et voilà. Ouais. Ok, super. Ouais, j'ai un délai de... Allez, faut que je me soigne. Ok. Pas mal. Et là, du coup, pour y aller... Ok. Ouais, donc en fait, c'est faisable, ce que je faisais. Putain, mais je suis débile! C'était ça que j'ai pas fait. Ok. Bon, l'autre il m'a droppé un objet, mais je descendrai pas. Hein. Par contre, je sais pas comment aller là-haut. Je pense vraiment qu'il y a un double saut, pour le coup. Et je pense que je vais pas le débloquer de sitôt. Ok. C'est là-bas ça. Alors, hop. Ça va être chaud là. Peut-être ça. Je crois que ça marche. Je crois qu'il est stun.
Ok, il est stun. Cette arme est cool. Je me tarde de l'améliorer, vous voyez, là, quand j'aurai assez de runes. Ah ouais, stylé. Quand j'aurai assez d'âmes. On va partir en amélioration. Ah ouais, alors. C'est vraiment chelou comme... Ok. Et merde. Je vais peut-être m'équiper de celle-ci. Parce que l'air de rien, elle est bien pour la distance. Merde. Bon, elle, il faut... Je pense, attendez. Je pense qu'il va falloir faire un truc. Alors, attendez. Mon téléphone qui est tombé, voilà. Ok. C'est possible. Merde! Ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est un saut normal, ça, non? Je sais pas. Bon, vas-y, reste-y. Il y avait un chemin à droite, j'ai pas trop envie d'y aller. Wow. Je descends voir. Ok. C'est tout. Ok. Concentré, désolé. Au secours. Hein. Au secours, au secours. Y a pas un petit feu là? Y a pas un... on va faire ça. Ok. Injection curative. Ah. Un petit checkpoint. Ok. Et donc là, je suis où? Ouais, c'est vraiment l'ascension dans la glace. Hein. Ils se sont régalés avec la zone de glace, hein. Elle paraît vraiment... Waouh, des soins, beaucoup. Bizarre, ça. Attends, et là... Ok, attends, je vais voir. Il est chaud. Je suis où, là? Petit coffre, petit truc. Allez, un petit truc. Ouais, ça sent transition de boss, là. Ouais. Le village, ouais. Ouais. On va faire les ruines maudites à choisir, hein, les ruines maudites de la forteresse hein, de ces grands morts. Et donc attends, à gauche il y a quoi là? Quel enfer. La musique est super là. L'ambiance. Qu'est-ce qu'on a là? Un coursi peut-être. Et je vais d'abord buter elle. C'est long hein, pour les buter, celle-ci. Injection curative, ok. Bah là, il doit falloir passer par en haut, du coup. Et ça doit ouvrir un raccourci, à mon avis. Alors, attendez. C'est raté. Putain, les zones de platforming, là, chaud. Hein. Même pas si c'est comme ça qu'il faut faire, en plus. Je pense vraiment qu'il y a un double saut. Hein. Là, ah ouais, là c'est bloqué là. Oh le saligo. What? Alors toi tu me touches mais pas moi. Ouais, super. Allez, viens.
Eux, vraiment, c'est, je crois que c'est le pire mob que j'ai eu de tout le jeu. Non, mais l'ascension, elle continue vraiment, vraiment loin de dingue. Là, je suis sûr, il y avait des murs cachés, il y avait des trucs à péter sur les murs. Il faudra que j'y retourne, je suis obligé. Ah ben voilà, nickel, ouais. On va passer du coup par là. Ok, bon, je me soigne. Je change d'arme. Combien j'ai d'âme? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ouvre ça, du coup. Ok. Alors, attendez, je vais aller voir là-haut. Ah non. Je vois pas l'intérêt d'avoir ouvert ça, mais... Là, franchement, je vois pas l'intérêt. Pierre de lune argent, 2. Ah cool. 2600 quand même la pierre, donc ça fait quand même ça d'économiser. Je trouve qu'on a du mal à avoir des améliorations. Oh merde. Oh putain. Moi aussi j'ai ça. Bon, je vais y retourner, je vais utiliser les deux. Par contre, là... Ah oui, d'accord. C'est un checkpoint, là. Je vais utiliser les deux direct. Oh, vas-y! J'aime pas quand ils m'ont au cac comme ça, là. Ouais, je les avais eus. Et par contre, après eux, il y a qui? Parce que là, c'est qu'une première vague, à mon avis. Ce qui fait chier, c'est que mes âmes, elles sont coincées là. Soit je m'en sers plus de l'élec, mais il faut. Hein. Il faudrait. C'est bien plus gérable deux comme ça que les petits monstres avec les trucs de glace. Hein. Ah, je voulais me soigner, j'ai pas eu le temps. Putain, le troisième, il est chaud. Hein. En vrai, le troisième, il est chaud de ouf. Il faut que je me mette... Putain, j'ai plus de soin. Ouais, en fait... Ah, putain. Allez, je vais me soigner au loin. Quelle galère. Pas passé. Hein.
Ça passe. Ouf, j'y suis arrivé. Putain, mais l'arme, elle change la vie. Vous avez vu ça? Ben, désolé, je me suis concentré comme un gros goré. Mais j'ai réussi en plus à avoir mes âmes et tout. Oh putain, yes. Pour améliorer mon arme. Oh putain, j'ai eu la faucheuse. Une faux. Oh putain, encore une arme. Ouais, c'est le moment de l'histoire, en fait, où t'as des armes de partout, quoi. C'est quoi comme arme? Dex Force. Combien il faut? 16 et 14 en Dex. Et elle fait quoi? 132% de dégâts critiques. Ouais, mais elle fait pas d'affliction spéciale. Mais elle est puissante. Hein. Elle est puissante. Voir un peu le... Parce qu'elle est pas mal, hein, comparée à lui, là. Comparée à ça. Peut-être que la faux est bien en arme secondaire. Attends, fais voir. Ouais, en plus, elle est stylée. Ah ouais. Et c'est quoi son weapon art? Ça doit être un contre, je pense. Et l'attaque chargée, fais voir. Ah ouais. Oh. Oh putain. On a trouvé la faux. Comment elle s'appelle? La faucheuse, même. Allez, je me soigne. Ok. Et ben, j'y suis arrivé. Ah, j'y suis arrivé. Donc ça sent la nouvelle zone quand même après. Voilà. Hein. Elle a repop, elle. Je vais voir si ça fait des dégâts, ça. Quand même, hein. Je vais regarder avec quoi ça s'améliore, ça. Franchement, pour remplacer la petite épée, je trouve que c'est pas con du tout. Trop content d'y être arrivé, par contre, là. Bon, c'est con d'avoir fait ça, puisqu'il y a le truc pour se reposer juste à côté. On va aller se TP au hub central. On se TP, c'est parti. Hop là. Et du coup, je vais regarder avec quoi ça s'améliore, cette faux. Elle est stylée. Et l'attaque chargée, c'est quoi déjà? Ah ouais. Putain, ça va faire mal contre Miklin. Miklin du Fire, là. Alors, voyons voir, du coup, améliorer des armes. Voyons voir la faux, où est-ce qu'elle est? La faucheuse. Ah cool, elle s'améliore avec des pierres de lune argent. Bah du coup, je peux avoir ces deux, je pense. Bon, déjà, je vais améliorer ma trancheuse sanguine. Cache, comme ça. Et là, ça sera 8000. Plus des minerais de démonite. Du coup, il y en a 3 plus 1. Ouais, je vais pouvoir l'améliorer encore. Et celle-ci, je peux l'améliorer. Ouais, elle fait de dégâts. Celle-là, 138 plus 58, ok. Celle-là, 133 plus 35. Ok. Donc, celle-ci est mieux. Celle-ci est mieux. En tout cas, au cac, quoi. Bon, pour le moment, je vais garder mes tunas. Putain, 8820 me faut, là. C'est énorme. Du coup, je dois faire quand même pas mal de dégâts, maintenant, avec mon katana, là. Je vais juste aller voir. Je vais aller tester de... sur les petits monstres, là. Je vais aller regarder combien ça fait de dégâts. Putain, dès qu'on a des restes, on va faire ça. Hop. Là, ça serait cool de pouvoir faire la flèche en arrière pour pouvoir en acheter plus. Hein. Enfin, pour pouvoir acheter la max. Voilà, 16 runes, c'est ça qu'on veut. Bon, du coup, la faux dans cette vidéo et le katana sanguin dans la précédente vidéo, c'est vraiment là, c'est caviar. Hein. C'est vraiment caviar. Tu vois voir. Ah ouais. 147 de dégâts juste à un coup d'épée classique. Et 470 quand c'est un coup critique. Ah ouais, non, mais là, c'est insane. Et du coup, j'imagine que ça doit améliorer aussi le weapon art. On va aller voir là parce qu'il y a deux petits mobs, je sais. À mon avis, ça améliore le weapon art, ouais. Je vais voir. Bon, lui, il s'est pris la dernière vague. Mais c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Je pense que maintenant, je sais pas ce que je vais améliorer, mais vu que maintenant, c'est mon arme qui va faire des dégâts et pas moi, je pense que je vais améliorer ma vitalité et ma barre de mana pour pouvoir caster, vous voyez, trois trucs comme ça en tout. Je pense que c'est vraiment pas con d'avoir possibilité de caster trois trucs comme ça. Je pense. Bon, 1448, on va quand même lui racheter.
Ah, elle aussi, des soins. Ouais, vous voyez, je peux pas faire la flèche en arrière pour pouvoir avoir la max, et je peux pas non plus laisser appuyer sur le bouton droit pour pouvoir laisser monter le truc. Donc ça, c'est juste un petit ajout. Mais ça serait pas mal que ce soit fait en mise à jour. Bon, ben, je me repose, du coup, et je vous laisse là pour cette VOD. J'espère que ça vous a plu. Peut-être j'améliorerai la faux conjointement. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'est judicieux d'améliorer la faux. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis venez me voir sur Twitch. Allez, passez de belles fêtes si vous voyez ça pendant les fêtes. Ciao, ciao.